toujours quand Darko se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Aïcha Kamwaza Aloud est déjà en train de prier. Hey, Gawawo! Laura Kameni lui a Sissia. Là, il a. Que je vais te. Agosimi passer. Quoi? Agosimi passer. Hey, Allah! Tu vas me voir passer. Alors, c'est ça. Là, voilà Aloud avec deux longues bougies. Ça dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Là, voilà Aloud avec deux longues bougies. Quoi? En train de prier. Peut-être Laura Kameni ya. Un champion des doigts de Aïcha Kamwaz, qui sait? Toi, ton problème, c'est même quoi? C'est quoi avec toi? Sinon, moi, je l'ai jamais entendu qu'elle est partie à Lourdes prier. Un temps de mouvement. On se lève le matin. Voilà le vlog de Lourdes sur nous maintenant avec de longues bougies. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Aïcha Kamwaz, viens nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je bois ma première verre. Qu'est-ce qui n'a pas marché, la petite? Point d'interrogation. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le vlog de Lourdes sur nous avec deux bougies maintenant là, il y a quoi? Je sais que quoi? Laura Kameni est entrée chez toi sans ouvrir ta porte ou comment? C'est le diable qui manifeste. Viens nous dire aussi, parce qu'on peut faire comme ça là que Laura Kameni a fait fort de ton côté. Donc voilà, ça, tu dis que l'eau baignée est montée, l'eau baignée est descendue. Tellement les paroles, ça bavarde, ça critique, ça insulte, ça dit des choses. On a assis par terre sur les réseaux sociaux, on observe. On dit que qui a pas la noix de coco a confiance à son derrière. Ah, tu as bien fait ton clash avec Laura Kameni. Laura Kameni t'a promis l'ancham. Et c'est l'ancham là qui est le derby qu'on attend. Ça me fait vraiment pitié. Le jour de l'ancham là, moi-même j'attends ça impatiemment. C'est pas possible. La place de la femme, c'est la cuisine. Voilà. Sinon, faut beaucoup prier pour nous là-bas. Hein? Toi, Aïcha Kamwaz qui est à Lourdes là, c'est bien de prier. C'est bien d'aller au pèlerinage. Parce que les réseaux, s'il y avait les promesses d'empoisonnement, machin, qu'on paie même les gens d'empoisonnement, les gens là, pardon, faut prier pour nous tous là-bas. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. C'était juste une question, si Laura Kameni n'a pas encore loupé. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descend Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pressing, que parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.